lance le record et je vous dis bonsoir amis viewers, bonsoir, bonsoir, ce soir un épisode spécial, puisque ce soir, nous passons niveau 100. Et oui, ce soir, c'est un épisode fort en émotion, car la musique est comme d'habitude pas terrible pour un début de live, mais ce n'est pas grave, je vais la changer. Ce soir, mi amor, tu vas passer niveau 100 avec bébé. Et oui, car ce soir est un moment épique. Je dis bonsoir naturellement à tous les gens qui sont présents sur ce chat, c'est-à-dire Monsieur Tadeo et THM Colère. Oui, il y a deux personnes seulement ce soir, deux disponibles sur ce chat, mais ça fait quand même énormément, hein, énormément plaisir de vous avoir parmi nous. Monsieur Tadeo qui décide du coup de partir, hein, il s'en va. Je vais manger, salut, bye bye, au revoir. Eh bien, tant pis pour toi, tu vas rater le plus grand moment de notre vie. Voilà, c'est le plus grand moment de notre vie. Et du coup, pour cela, nous allons dire bonjour à tous les gens qui sont présents en jeu avec nous et qui nous aiment. Comme d'habitude, parce que les gens nous aiment et c'est ça qui est extrêmement plaisant, dirons-nous, hein. Alors, j'aimerais vous lancer le truc, hein, mais je peux pas, parce que ça fait pas beau. Attendez, je règle ça. Sinon, ça fait pas beau. Normalement, ça devrait aller, là. Regardons ça. Oh, regardez, c'est magnifique. Tu as gardé le niveau 100 pour le live? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, bonjour, caca comme ça. Comment vas-tu, caca comme ça? J'espère que tu vas bien, quelqu'un comme ça. Mais c'est Skuldor en fait, il veut pas avouer qu'il a deux pseudos différents. Donc bonsoir à mes amis qui sont présents dans la guerre, c'est-à-dire Applebloom et Skuldor. Et oui, nous fêtons le niveau 100, petit comité, comme vous le savez. C'est les vacances, donc du coup il n'y a personne, hein, voilà, le chat est mort, la guerre est mort. L'Inglorium est mort, il n'y a personne. Sur Twitch, les gens sont morts, ils sont partis se coucher, ou ils sont partis au ski, ou ils sont partis sous le soleil, enfin ils font plein de trucs super, et nous on est bloqués dans cette petite chambre à la con, mais c'est pas grave parce que j'ai prévu de fêter mon niveau 100 avec vous. Et ça, ça fait plaisir. Et comment allons-nous passer le niveau 100, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, nous allons pexer avec les gens qui sont présents avec nous, c'est-à-dire Applebloom et Skuldor qui est 104. Putain, mais ils arrêtent pas d'XP. Ils arrêtent pas d'XP et moi, j'ai pas XP. Voilà, moi, j'XP pas, je garde mes niveaux, mais je devrais pas, en fait. Je ne devrais pas. Je devrais pas faire ce genre de choses. C'est pas une bonne idée, en fait. Je devrais pas garder ça pour moi. C'est de l'arnaque. Avec un Digi AA, mais on fera jamais le Digi AA, on va jamais le réussir. T'as vu déjà comment on n'arrive pas à faire le donjon araignée? Tu vas pas me dire qu'on arrive à faire d'autres donjons? Arrête de dire n'importe quoi. Non, ce soir nous allons... Enfin, Skuldor va nous apprendre à XP comme des Kikou. N'est-ce pas Skuldor? Je t'invite dans mon groupe, avec Applebloom naturellement. Ces deux personnes sont magnifiques. Et live de Digivins en parallèle avec Smixy et 50 millions à gagner, les gens sont des pixous. Ah bah oui, forcément, les gens n'ont qu'une idée en tête, c'est gagner masse boule. Et quand Smixy, eh ben il débute, forcément, eh ben tout le monde va sur Smixy parce que Smixy donne de l'argent. T'as Digi qui donne de l'argent, donc tout le monde va chez Digi et personne y connaît la RTV. Et personne sait qu'il y a un putain de panda qui va passer niveau 100 ce soir. Mais les gens... ils sont pas intéressants, ils ne comprennent pas que la IRTV, c'est l'avenir du stream. C'est... toutes les chaînes, elles vont tomber face à... tant de force et de puissance et de débilité concentrée en une seule chaîne. C'est ça qu'ils comprennent pas. Mais ils vont vite le comprendre. En attendant, mesdames et messieurs, nous allons pex. Nous allons pex parce que je l'ai décidé, donc allons-y. Allons-y, je vais dire /P, Skuldor, apprends-moi à être
un kikou. Parce que il faut apprendre une chose, mesdames et messieurs, c'est que Skuldor, c'est un kikou. La IRTV bientôt rachetée par TF1. C'est ça. Non, c'est même mieux. C'est moi qui rachète TF1. Parce que ça va bien de me faire racheter par des programmes à la con. Je vire les programmes à la con et je mets des programmes de merde. Et oui, mesdames et messieurs, vous êtes sur On va poulper ton loot 20h, 22h et j'espère que vous êtes bien en ma compagnie Farrell. Vous êtes sur la Aigle TV, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, voir les rediffusions sur la chaîne YouTube, vous abonner à la chaîne Twitch et faire des dons. Vous pouvez faire plein de choses, mais vous pouvez surtout communiquer avec nous grâce au chat. Chat qui est disponible pour que vous puissiez écrire des commentaires, des questions, votre vie personnelle, des trucs dont on n'a rien à foutre, mais ce n'est pas important parce que le but c'est de communiquer avec vous, donc n'hésitez pas, c'est le moment de profiter avant que je pète un câble parce que je passe niveau 100 et quand j'aurai passé niveau 100, je ne me contrôlerai plus tout simplement parce que je serai trop content d'être passé niveau 100. Comme j'ai dit, bientôt il y aura deux pandas sur la map puisque... Je vous rappelle que le niveau 100 nous permet d'obtenir un joli petit panda en invocation. Tu rachètes TF1, l'argent des abonnés. Oui, je vais racheter TF1, c'est mon but. Grâce à votre argent, je vais racheter TF1. Voilà. Donc, go free free full sasa. Déjà, faut trouver un nom qui ressemble à l'apéro, un truc d'alcoolique. Faut faire DJAA pour XP. Non mais on n'a pas le niveau pour le donjon AA. Surtout que ça veut rien dire. C'est le donjon Abrachnid Ancestral, mes amis, pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, je veux passer level 100 et pas mourir. Non, parce que le donjon AA est très dur, voilà. Donc je ne veux pas, je suis contre, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, voilà, tout ça. Donc, comme j'ai dit, on va passer niveau 100. Parce qu'on va passer niveau 100. Parce que je l'ai décidé. Voilà, j'ai décidé. Mais où allons-nous XP ? Eh bien, c'est à vous de décider, mesdames et messieurs. Vous êtes 8 milliards et c'est énorme, ça représente un petit peu 0,25% des gens qui regardent Didier et ça représente, 0,87% des gens qui regardent Sneakzy. Donc en gros, vous êtes carrément plus nombreux et plus puissants qu'eux. Donc le but tout simplement, c'est de taper dans le chat et de me dire où est-ce qu'on va pex. Voilà. Allez, dites-moi tout, dites-moi. Ah parce que sinon je vais faire des chasses au trésor hein. Mais franchement ça me paraît con. Je préfère aller XP avec mes amis. Tu vois eux. J'ai l'impression qu'ils font ça hein. Et il est mort aussi Apple. Pourquoi il est mort? Pourquoi t'es mort Apple? C'est la guerre entre qui est un kikou et qui ne l'est pas dans la guerre dans ce moment. Parce qu'ils ont tous admis qu'ils étaient des crevards, mais ils n'ont pas admis qu'ils étaient tous des kikous. Donc ils sont en train de se battre pour savoir qui est le kikou de l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferait pas un donjon pour passer niveau 100? Attendez, je vais regarder les donjons qu'on n'a pas fait. Parce que tout cela, on les a fait maintenant. Hein. À part le donjon larve, mais j'ai pas vraiment envie de faire le donjon larve, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Vous comprenez? Pas vraiment envie de faire le donjon larve. Donc qu'est-ce que nous avons là dedans? Oh, on pourrait se faire un melou. Le melou, c'est pas très fort melou si. Je me rappelle plus c'est quel niveau. Ah, c'est niveau 100 quand même le melou. Mais je me rappelais pas qu'il était si fort. Moi je me rappelle qu'il est pas très fort hein, le melou. Le melou est pas très fort hein. Donjon crackler, on l'a fait. Gourlot terrible, on l'a pas fait. Mais c'est un peu au niveau ça. C'est niveau. Ah, c'est que niveau 70? Ça m'étonne quand même. Car le coffre est pété. Quoi, t'as perdu contre le coffre? Ça craint. Ça craint. Et si on allait se faire un donjon blop? C'est nul, mais bon, ça pexe. Ça pexe. Un dragon cochon. Non, même pas en rêve. Non. Un cannibule, ça a l'air sympa, ça. On se ferait pas un cannibule? Ça a l'air bien, ça, non? Ah, mais c'est loin. Ah ouais, j'ai pas encore fait la quête de Moon. Non, je ferai la quête de Moon une autre fois. Invite groupe STP. Oui, mon cher Mano.
qui nous rejoint et qui veut jouer avec nous. Donc viens, viens, viens jouer avec nous. On cherche un donjon. Un Bwork ? Un Bwork ? Mais c'est quel niveau, Bwork ? Mais non, on l'a déjà fait, le Bwork. On l'a déjà fait, le Bwork. C'est nul. Non, Bwork, on va pas level up sur un Bwork. Non, je propose un Melou. Un Melou, c'est bien, non ? Melou, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on se ferait pas un petit Melou ? Un petit Melou. Je suis sûr qu'on se le fait, le Melou. Vas-y, go ! On va dire go, go, Melou. Vas-y, go, Melou. Hein, je suis sûr qu'on peut se le faire. Je suis chaud. Vas-y, go. Allez, chaud. Mais si, on va gagner le Melou, mais si, vas-y. Je suis chaud, là. À moi, pour mon niveau 100, je fais pas les choses à moitié. Hein. Donc, je dis, on va faire le Melou. Je suis chaud. Le Melou... Pour avoir des testiboules, est-ce qu'on les a, nos testiboules? Mais non, Apple Bloom, tu crains. Mais non, Apple Bloom. Apple Bloom. Apple Bloom, non, mais non. Donc Apple Bloom est un lâcheur. C'est un crevard, un lâcheur. Voilà. 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 Une honte. C'est une honte, Apple. Une honte. Une honte. Bon, bah, très bien. Je propose d'aller XP sur les canigrous. Voilà. Je vais leur dire, on va XP sur les canigrous. C'est bien les canigrous. Kanya. Alors, on va aller sur Kanya. Kanya. Allez. On fait Digi gelé. Non, mais Digi gelé, c'est nul, on l'a déjà fait. Non, non, on va go. Go. Go au cani. Bonsoir Fredby! Comment vas-tu ce soir? Nous allons fêter le niveau 100. Et oui, le niveau 100 de Guéperol. Et ça, ça fait énormément plaisir quand même. C'est la famille, je les choisis pas. Non, mais je vais leur envoyer une lettre personnelle, moi, à ta famille, qu'il faut qu'ils arrêtent de t'embêter quand il y a mes lives. C'est pas possible. Salut Astaran! Toi, mais ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que tu foutais? On va fêter le niveau 100! On va fêter le niveau 100 de Guéperol! Mais qu'est-ce que tu foutais? Où est-ce que t'étais? T'étais parti? T'avais ton contrat militaire? Tu faisais quoi dans la vie? Hein? Qu'est-ce que tu foutais? Qu'est-ce que tu foutais, Astéran? Hein? Franchement, on se pose des questions à la fin. Alors, déjà, retirez vos chevaliers pourris. Voilà. Déjà, retirez vos chevaliers. Déjà, on vire Apple Bloom. On va l'exclure du groupe parce que c'est un mec dégueulasse. Et on va leur demander de retirer leur chevalier Pérave pour trouver un groupe qui XP bien. Ah, ça XP pas du tout, ça. Ah, ça XP pas du tout. Ah, merde, c'est mon chevalier à moi. Ah, je suis nul à chier, en fait. Salut, Hippie, comment vas-tu? Comment vas-tu? Attends. Bon, on cherche des groupes qui pexent, du coup. Si seulement il me faisait chier seulement pendant les lives, ah bah oui. Et t'écris mal ce soir, Apple Bloom, c'est aberrant, quoi. J'ai mis Dofus en pause depuis un moment, alors les lives aussi. Oh, mais non. Oh, ça pexe, ça. Les gens, go. XP, pause, XP en slash groupe. Slash P. Voilà. Go! Go les gens! Il y a un groupe qui est bien là. Il y a 4 canis, mais ça le fait, ça le fait. Vas-y, go! Il y a 2 corbacs, mais ça le fait. Vas-y, go! De toute façon, Mano, il est one shot. Je suis sûr. Je le sens. Mais c'est la famille, ouais. Non, mais la famille. La famille. La famille. La famille. La famille. La famille. Tu vois, la famille, c'est comme des bonnes pâtes fraîches. C'est tout.
Arrête les conneries, hein, 5 minutes. Hein. Ça va bien. On va quand même la laisser cette musique parce qu'elle claque quand même. Elle claque quand même. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde sur tes lives, 13 milliards, ben oui. Mais tu sais, on n'est que 13 milliards parce qu'il y a DJ et Smixy qui stream en même temps que moi, donc c'est un cauchemar en fait. Tous les gens ils sont connectés sur eux. Mais ils ont tort. Ils ont tort. Oh non, bougez votre cul, hein, ça suffit, hein, suivre le déplacement. Pourquoi il est aussi loin lui? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Incroyable. Je viens Cani si tu veux. Bah oui, viens Necron. Regardez, Necron, c'est mon crafter personnel. Necron, c'est le mec qui va crafter toutes les panoplies de Aperol. C'est décidé, c'est the man. C'est the crafter. Tu vois? C'est le meilleur. C'est le plus beau en plus. Il est trop beau. Il est trop classe. Même Mano le surpasse pas. Tellement il est beau. Voilà. Tellement il est beau. Il va nous rejoindre pour qu'on pex. Et on pex masse grâce à lui, c'est bien. T'as pas les envier, ils ont même pas 1000 viewers eux. Non mais c'est pour ça que je m'en fiche. Moi j'ai 11 milliards de viewers, donc c'est pas grave. C'est pas grave. 11 milliards, c'est comme j'ai dit, eux ils représentent 0,80% de ma communauté. Donc, voilà, je m'en fiche. Je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche. T'as quelle belle musique quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti le drapeau aérien. Ah, regardez. Regardez. Ça, c'est la famille. Regardez. Ça, c'est la famille. La famille de Poulpe. La famille. Ah. La famille. Bref. Skulder est arrivé enfin, c'est pas trop tôt, dédicace aux aliens qui nous observent, salut à vous. Oui, bah oui, parce que nous sommes 14 milliards, il n'y a pas assez d'humains sur Terre pour représenter cette communauté, donc du coup, il y a des gens qui viennent d'autres planètes, mais c'est normal. Tu veux voir un truc que tu n'as pas? Non, ça va, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, donc tout va bien pour moi, hein. On est magnifique, ma chérie. On est magnifique, ma chérie. Magnifique. Faudrait que je reprenne un jour ce truc. Tu es magnifique, ma chérie. Je peux même trouver une vidéo, je suis sûr. Oh là là, ma chérie. Ah putain, il y a aussi, hein. C'est incroyable. Il y a un des trucs comme ça. Attention, danger. Vous entrez dans une zone dangereuse de turbulence. Bonjour. Ça va, oui. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces loups? Donc, on va commencer déjà par le plus urgent, c'est les vêtements, parce que là, vraiment... Non, mais il faut se préparer psychologiquement, parce que ça va être radical, ma chérie, OK? Donc, on va commencer par le look, on d'accord? Mais ça va être dur. On va avoir de la pêche, hein? Oui. Tu vas sourire, oui. Tu vas pas piquer une crise, oui. Tu vas pas pleurer. Tu verras, ça sera le havre du vêtement, la caverne d'Ali Baba. Regarde. Avant n'importe quoi, on va parler de ton corps, ma chérie. Il faut comprendre comment tu es. Toi, tu es un H, tu vois? H, c'est pas beaucoup de poitrine. Ma chérie. Mini poitrine, maxi décolleté. Va pas oublier. Voilà, c'est terrible. Cette femme est terrible. Cette femme est terrible. Salut, sacrieur du 08. Et n'écorche pas mon nom, s'il te plaît. Je n'ai rien à voir avec ce Farel, ce blond, ce nazi démoniaque. Qu'on soit d'accord. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Monsieur Tadeo, s'il te plaît, il est interdit d'envoyer des choses comme ça. Tu sais, tu es donc time out. Oh, c'est dur. Je suis désolé. Ah, tout le monde est là, alors go. Vas-y, go. J'ai envie de jouer. Ah, nous sommes très mal placés. Très bien. Très, très bien.
Alors, je suis désolé pour Monsieur Tadeo, je ne sais pas, moi, en tant que modérateur, utiliser les outils. Donc, quand moi, j'essaye de time-out les gens, ça fait des time-out de plusieurs milliers de secondes. Voilà. Faudra attendre. Je vais pas exprès, hein. Ok. Ma DD est que level 3, je l'apex, c'est pour mon élevage. D'accord. Mais de toute façon, moi, je vois pas les dindes, donc ça règle le problème. Farel égal nazi, premier point Godwin de la soirée. Non mais, ça n'a rien à voir. C'était... MDR, t'es sérieux, t'es niveau 90 et des bananes étaient ici. Non mais, on essaye de passer 100, parce que 100 c'est important. C'est un niveau important. C'est un niveau très important. Donc. Du coup, pour fêter mon niveau 100, j'ai prévu quelques cadeaux. Non mais c'est vrai. J'ai prévu ça! Regardez! C'est pour faire la fête! Ça, c'est bien, ça. J'aime bien, ça. Mais là, vous êtes 13 millions et on va fêter ça ensemble. C'est ça qui me plaît. Ah merde, c'est à moi de jouer. Attendez, c'est à moi de jouer. Jouons sérieusement, d'abord. Donc, je fais ça. Ensuite, je me mets en colère de Zaito. Aïe! Je fais ça pour tuer le Korbach. Aïe! Et je peux pas m'enfuir. Pourquoi? On ne sait pas. Parce qu'il y a la putain de souris verte qui me fait chier. Voilà. Des cadeaux pour mon retour, c'est top. Ouais, non, c'est des cadeaux pour moi, en fait. Je me suis acheté des cadeaux pour fêter mon niveau 100. J'adore les cadeaux. Non, pour vous, il n'y a rien. Pour vous, il n'y a rien. Cherchez pas. Pour vous, il n'y a pas de cadeaux. Pour moi, il y a masse cadeau. Pour vous, il n'y a rien. Que dalle. Non, c'est bon. Ça suffit, les cadeaux. Hein? J'ai prévu des panneaux plongues. J'en ai plus des panneaux plongues. Ah si, je peux vous faire gagner une carte. Il m'en reste une. Si vous voulez, il m'en reste une à vous faire gagner. Mais il m'en reste qu'une seule. Et je crois que je la dois à quelqu'un. Et je crois que je la dois à THM Colère en plus. Donc je peux même pas vous l'offrir. Putain, mais j'arrive pas. Regardez ces genres de trucs, c'est marrant. Attendez, je vais pas ouvrir les trois. On va en garder un pour plus tard. J'ai prévu d'autres trucs aussi. Oh, j'ai prévu tellement de trucs. Vous allez trop kiffer. C'est énorme. J'ai acheté tout ça tout à l'heure. Et c'est nul à chier, mais j'adore. On va tellement se marrer, les gens. Oh, je vais mettre 3 ans à tout ranger. 3 ans. 3 ans. Full Sasa, moi je serai jamais full Sasa. Le full Sasa, c'est pour les PD. Oui, je crois que je te dois une panneau pour ton anniversaire ou un truc comme ça. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, je sais plus. Ouais, c'était un truc de genre. Mesdames et messieurs, vous êtes 15 millions et ça fait énormément plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez fêter avec nous le niveau 100 de Guéperol, qui est présent ici en sous forme de gros panda dégueulasse. Vous pouvez naturellement participer en communiquant avec nous grâce au chat. Donc, qu'est-ce que t'attends? Prends ton clavier et écris-nous un message. Un message de félicitations, par exemple. Vous allez die. Mais non, on va pas die, n'importe quoi. Ah merde, c'est à moi de jouer. Moi, je dis qu'on ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre. Mon anniv, c'est en avril. Ah bah alors, c'est pas toi. Bon bah du coup, je vais vous faire gagner la carte. Voilà. Vous pouvez gagner une carte ce soir et un poster dédicacé par moi. Un poster Slage. Un poster qui est là-bas. Accroché au mur. Attention, c'est un jeu en Kama qui sortira jamais. C'est une pièce unique, ce poster. J'en ai quelques-uns à vous faire gagner. Non, c'est un time-out de 600 secondes, mon cher Tadeo. Je le vois moi-même, c'est marqué. Fort 600 secondes. Je sais pas combien ça fait, 600 secondes. Ça doit pas faire beaucoup. 600 secondes. Ah si, ça fait beaucoup quand même. Ça fait une heure, non? Je sais plus. Attendez, je vais voir si je peux pas régler le problème. Parce que c'est con quand même. Le pauvre. Il est un peu bloqué du coup. C'est dur. Nous sommes sur le serveur Hagrid, mon cher ami Archange Mozzarella. Si tu veux.
pas mal. Ça fait 10 minutes. Ah, oh, ça va, 10 minutes. Ouais, mais je sais pas lire. Ah, je te comprends. Je te comprends, Tadeo. Ça doit être dur de lire. -5 O. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je veux ton chapeau. Eh bien, il te suffit tout simplement d'aller dans l'Ankama Shop et de demander à ta maman d'utiliser sa carte bancaire. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. Bon, moi, je fais quelques dégâts en attendant. Je sais pas si je fais bien. 600 secondes égale 1 heure. Apprends le temps bourré avec le professeur Farrell. Mais j'en sais rien. Moi, j'ai pas fait mathématiques. Vous me faites chier. Mathématiques, c'est nul en plus. MDR, Guépérol. Mais non, pas du tout. Guépérol. Je veux claquer ma coco. Bah, claque ta coco. Qu'est-ce que t'attends? Ah, désolé, je dépense mieux en Kama. Tu as tout à fait raison. Tadeo vous invite à rejoindre son groupe. Non, mais tu peux rejoindre le mien si tu veux. Tu peux rejoindre le mien. Si ça te fait plaisir, je t'invite à rejoindre le mien. Voilà. Tu peux rejoindre mon groupe et tu peux rejoindre tous nos amis sur la guilde. Hein. Nous avons une guilde. C'est la guilde. Et la guilde, elle est vachement bien parce qu'il y a plein de gens super sympas. Mais tu peux aussi rejoindre l'Alliance, l'Irglorium. Parce que nous avons la guilde, mais nous avons aussi le Poop Nation, dirigé par Général Dofus. Bref, on a plein d'amis. On a plein d'amis. Donc tu peux nous rejoindre, c'est sur le serveur Hagrid. Il suffit de recréer un personnage parce que bah tu peux pas amener ton perso niveau 200 sur ce serveur. C'est con, faut que tu recommences à zéro. Mais c'est bien de recommencer à zéro. Ça fait du... Ça donne du... La force, tu vois. Par contre, faut faire gaffe, le serveur, il est hyper cher. Genre, à Gelano, c'est 6 millions. Donc, hein, il faut rester zen. Quand tu joues sur ce serveur, faut rester zen. Invite-moi aussi. Non, psy, je t'inviterai pas. Tu ne mérites pas d'être invité. Voilà, tout simplement. Donc, non, je ne t'inviterai pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Je vais faire ça, moi. Voilà. Comme ça, je peux... Ah non, je peux pas m'enfuir. Parce qu'il y a ce putain de souris verte à la con qui me fait chier. En plus, je me suis bourré la gueule. En fait, j'aurais dû faire stabilisation. Donc, je ne sais pas jouer. C'est très bien. Bonsoir, Johan. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Très, très bien. On va passer niveau 100. Non, psy, je ne t'inviterai pas. Tu ne le mérites pas. Tu ne mérites pas. Donc, non. J'ai pas envie d'inviter psy. Il est trop haut niveau. Il triche. Il triche. J'ai envie de gagner mon niveau 100 comme un homme. Mais oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont présents ici ce soir, ça fait énormément plaisir. J'ai prévu des trucs trop bien. J'ai prévu des trucs trop bien. Genre par exemple, vous allez pouvoir gagner cette panoplie, ou plutôt juste la cape, mais c'est déjà pas mal, voilà. Vous allez pouvoir gagner un poster Slate, voilà. J'ai des trucs à vous faire gagner comme ça. Voilà, pour fêter le niveau 100 de Guépérol, qui est très content naturellement de passer niveau 100. Lui, il a déjà commencé à faire la fête, il s'est bourré la gueule insta. Donc ça, c'est bien. Ensuite, vous pourrez gagner ma satisfaction personnelle. Et on va pouvoir jouer avec ça. Ça, c'est marrant. Ça fait des... Enfin, vous allez voir. C'est marrant. J'aime bien. Je suis content. Je vais faire quelques dégâts en attendant. Voilà. Et je vais me faire un pan dans le cul. Regardez. Putain, mais t'as vu comment il court, le panda? Moi, je veux le Ougarto derrière toi, même pas en rêve. Moi, je veux Farrell, si t'as des capotes. Mais t'inquiète, je tape pas, je regarde le live, je veux juste être dans le groupe et tout pour parler. Ah, bon, c'est juste pour parler qu'il me dit, mais je crois que c'est un menteur quand même. Je crois que c'est un menteur. Regardez, on est tellement... Ouais, mais on pète plus rien avec lui, là, dans le groupe. Non, non, attends. On va t'exclure du groupe pour le moment. Je te réinviterai après le temps qu'on trouve un groupe qui pexe. C'est ça l'idée en fait. D'abord, trouvons un groupe qui pexe. J'en ai marre des souris vertes. Je veux plus de souris vertes. Les souris vertes, c'est nul. C'est pas bien. C'est caca.
Les souris vertes, j'aime pas. Donc cherchons des souris bleues ou jaunes ou toutes les couleurs que tu veux, mais pas vert. Vert, c'est pas bien, ça. C'est Burke. Vert, j'aime pas. C'est couleur vomi, ça donne pas envie de jouer, c'est... Non, j'aime pas. J'aime pas. Voilà. Putain, regardez, il y a plein de souris vertes partout. Ah, ça me donne envie de vomir. Oh. Non. Putain, mais c'est pas vrai, il n'y a pas de groupe. C'est pas possible. Quel jeu merdique. Ah, ça m'énerve. Il n'y a pas de groupe. Il n'y en a pas. Et j'ai l'impression que mon truc il marche plus. Vous savez le truc pour faire les... Comment ça s'appelle? Le dashboard là. Ça, j'ai l'impression que ça marche plus. J'ai envie de dire B, c'est grave docteur? Non, je sais pas. Ah, eux ils font des défis, très bien. Ils cherchent même pas groupe, ils en ont rien à foutre de ma gueule. On vomit sur toi. Alors, on va peut-être éviter de vomir sur moi. Et vous allez peut-être... Qu'est-ce qu'il me raconte? Oh là là, il me raconte n'importe quoi, psy, n'importe quoi. C'est pour calculer, psy, je te réinviterai dans le groupe après. 199 000, c'est nul. 129 000, c'est nul. Putain, mais pourquoi on... Twitch follow? Bah, moi je Twitch alerte, mais ça, je crois que c'est cassé, ça marche plus. J'ai l'impression que c'est cassé. Ça marchait avant, maintenant ça marche plus. J'ai l'impression que c'est cassé. It looks like you haven't set up credit card donation. Bah, et puis quoi encore Ils veulent que je fasse la credit card donation. Ils veulent que je clique sur le truc pour que vous me donniez de l'argent. Putain, mais c'est vraiment des beaux salauds quand même, hein. C'est les beaux salauds quand même, hein. Putain, mais je trouve pas de groupe. Comment ça se fait qu'il y ait pas de groupe avec des groupes caca? Je comprends pas. Putain, ça pexe pas, hein. C'est une catastrophe, hein. Ça ne pexe pas, quoi. C'est affreux. C'est vraiment affreux. C'est dingue à quel point c'est affreux. Non. Putain, mais c'est... On va pas passer notre vie à chercher des groupes non plus. Merde à la fin. Y'en a marre là. Oh oui, prends-nous l'argent. Non mais déconnons pas. Ah bah là, 170 000. Ah, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, écoutez. Écoutez, c'est mieux que rien. Il faut faire les challenges, d'accord? Il faut faire les challenges, donc on fait les challenges, d'accord? On va pas attendre Skull parce que Skull est trop lent. Voilà, il avait qu'à bouger et se dépêcher. Maintenant, on va faire des combats. Parce que les combats, c'est vachement intéressant. Le reste, on s'en fiche. S'il fait ça, je quitte immédiatement la guilde. Quoi? Tu veux pas que j'ai d'argent? T'es vraiment un crevard. C'est dingue, hein, commenter. C'est dingue, hein. Regardez le... Crevard, quel crevard! C'est incroyable. C'est une honte. Une honte. Follow alerte. Non mais la follow alerte, elle fonctionne. On dirait, j'ai l'impression. Elle fonctionne, hein. Enfin je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Elle fonctionne, non? Follow. Upload. Safe setting. Enable. Disable. Phone setting. Save setting. Je save les settings, hein, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Moi, je me mets en gros tapeur de la mort. Voilà, je tape. Je suis comme ça. Va sur Frigost. Non, je suis pas un putain de Kikou. Bon, bah, c'est bon, tu peux me réinviter. Effectivement, je te réinvite dans le groupe. Voilà, parce que je suis gentil. Je retrouve l'Irg et je brûle sa baraque. Mais pourquoi? Pourquoi tant d'animosité envers moi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Alors, on va tester le follow alerte. Voir si ça marche. Ça me paraît bizarre que ça fonctionne pas, en fait. On va voir si ça marche. J'ai l'impression que ça marche plus.
Ah, ça marche plus. Putain, c'est cassé. Oh merde. Merde, j'ai tout cassé. Merde. Merde. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé, en fait. C'est ma faute. C'est ma faute. Attendez, je vais essayer de réparer ça. Ce qu'il nous faut... c'est... je cherche. Je cherche dans ma corbeille. Oh non, je l'ai vraiment effacé? Non. Ah voilà. Ça, on va le restaurer. Ça, on le restaure. Voilà. On le restaure. J'ai l'impression que la Twitch Alert ne fonctionne plus. Hein? J'ai l'impression que ça ne marche plus. Que c'est cassé. Je ne sais pas pourquoi. J'essaye de réparer ça en me concentrant naturellement sur mon combat. Parce que je suis quelqu'un qui travaille correctement. Voilà. Je fais bien mon travail. Donc, où on en était? On en était à ce truc-là. Alors, le HTML... j'ai l'impression qu'il fonctionne plus, le HTML, là. On va essayer de le remplacer. On va en mettre un nouveau. Voilà, appli. On applie. Et maintenant, on fait un test. Test follow alert. Follow alert à perdre in 30 secondes. Ok, regardons si ça marche. Je regarde. Apple déteste FreeGhost. Non, non, j'irai pas sur FreeGhost, moi. Moi, j'irai pas sur FreeGhost. FreeGhost, c'est nul. Comment tu t'abos, Pharrell? Il suffit de cliquer sur follow. Tu cliques sur follow et tu t'abonnes à ma chaîne. Du coup, tu seras mis au courant chaque fois que j'ouvre un live. Ah, ça marche! Ça marche! Regardez, 26CE9A21 a rejoint la Air Glatitude. Ah, ça marche! Ça marche, c'est bon. C'est bon. Le Twitch, il fonctionne. Le truc abonné, il fonctionne. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait du bien, ça. Oh là là. J'ai up 200 sur les koalaks. Ah, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous êtes 18 millions, mesdames et messieurs. Ça fait énormément plaisir pour fêter le niveau 100 de Guéperol, qui est actuellement bourré. Parce que lui, il commence la fête avant d'être passé niveau 100. Naturellement, comme d'habitude. Je suis tellement pressé d'être niveau 100. Si vous saviez. En fait, vous savez pas, mais... si vous le saviez, vous serez content. Voilà, je fais des dégâts gratuits, moi. Des dégâts gratuits. Non, pas follow Twitch, je suis déjà abo, mais comment tu t'abos sur Dofus? Grâce à ça. Je vais vous montrer. Et ça, vous ne pouvez pas en avoir, mesdames et messieurs. Avec la CP de sa femme. Non, je fais pas ça. C'est elle qui s'abonne avec sa CP, de toute façon. Et oui, ma femme joue à Dofus. Et je tiens à vous préciser qu'elle est nulle à chier. Voilà. Donc ne lui demandez pas de faire des donjons avec vous. Vous allez perdre, mourir, et vous serez très très déçus. Voilà, donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Ça se fait pas, ne le faites pas. C'est pas bien. T'as quoi sur la tête? Une tête de bouffetou que j'ai d'abord décapité. Ensuite, j'ai vidé les entrailles par le cou. Notamment le cerveau et tout ça. J'ai tout vidé. J'ai mis du spray, du Febreze. Parce que le Febreze, ça marche vraiment bien. Et du coup, on sent plus rien. Et ensuite, tout simplement, je l'ai mis sur ma tête. Et j'ai tricoté une petite couronne. Voilà. Globalement, ce que j'ai fait. Bande de fils de lutin, vous m'avez pas attendu. Mais t'étais trop lent, Skuldor. T'étais beaucoup trop lent. T'as quel âge? J'ai actuellement autant d'âge
qu'un mec qui serait né en 1992. C'était très recherché. Comment t'as eu ta carte d'un an ? Eh ben, parce que je suis très proche de Ankama, donc du coup j'ai un peu des cartes gratuites. Un peu beaucoup proche. Voilà. Pourquoi ? Ah ! Je suis pas passé niveau 100. Il me manque 300 000. On y est presque ! Mais comment t'es pas drôle? Arrête ça! Mais je ne m'arrêterai pas, en fait, loli connard, puisque tout simplement, si je m'arrête, je perds ma raison d'être. Donc, soit je continue et je m'en fous de ce que tu dis, soit tu peux continuer, couper le son, rester présent parmi nous, et couper le son, comme ça, moi, ça me fait un viewer en plus, et je suis très content. Voilà, des bisous! Tu nous en donnes ? Ben non, j'en aurais bien pris pour vous, mais j'en ai pas. J'en ai pas. Rejoindre Tadeo et Ling. Quoi ? Ah bah tu t'es fait aggro, maintenant tu te démerdes, hein, Tadeo. C'est pas mon problème. Hein. Faut arrêter maintenant. Hein. On va faire ce groupe-là, mais on va essayer de faire les challenges. D'accord ? On va essayer de faire les challenges. Pour gagner masse XP. Masse XP. Comment je m'abonne ? Bah tu cliques sur follow. On va pas vous tenir par la main non plus hein, pour faire les choses, c'est pas possible hein. Faut arrêter hein. Farrell, on est 17 millions et c'est énorme et je vous en remercie naturellement. Fêtons ça. Non, on va juste fêter mon niveau 100. On va juste fêter. Tu nous aimes pas, c'est pour ça que tu veux pas. Ok, je retiens. Non, ça n'a rien à voir, je vous aime pas. Juste parce que pour l'instant vous me faites pas gagner d'argent. Mais quand vous me ferez gagner de l'argent, je vous aimerai un peu plus. Mec dégueulasse. Bon, school, bouge ton cul. School, bouge ton cul. C'est possible de te faire un don, bien sûr, mon cher loliconard. Il te suffit de descendre la page et de cliquer sur don PayPal. Voilà, tout simplement. Mais on ne verra pas ton argent. Parce que pour l'instant, je ne suis pas programmeur, donc je sais pas le faire. C'est aussi bête que ça. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez discuter avec nous via le chat qui se trouve juste ici. Donc profitez-en, racontez votre vie, de la merde, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, on s'en fout de toute façon. Puisque on ne lira que la moitié des messages. Généralement, on ne lit que les messages des filles qui envoient des snapshots de leurs boobs. Généralement. Le liconard, il prend les dons à 5 chiffres minimum. Oui, minimum 5 chiffres. Pas plus, pas moins. Le dieu est là. C'est vrai ? Où ça ? T'es caché ? Bon, c'est pas grave. Go combat. Je suis chaud. S'il est pas là, tant pis pour lui. Hein. Ah, il est là. Ça va alors. Tout va bien. Ok. Challenge. Challenge. On fait le challenge. Challenge. Je suis chaud. On fait le challenge. Parce que je suis chaud. Challenge. Allez les gens, on va voir ce que ça donne. Challenge. Bah non, c'est Wu, quitte pas mon live. Tu risques de rater la carte cadeau. Eh oui, parce que vous avez la chance de pouvoir gagner un poster et une carte cadeau. Voilà, tout simplement. Ce soir, pour fêter les 20 ans de Guéperol. Hein ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Non, Guéperol a pas 20 ans. Hein. Gardez sa gueule. Je pense qu'il en a au moins 150. Mais pour fêter le niveau 100 de Guéperol, nous allons faire la fête. Et j'ai prévu quelques trucs pour faire la fête. Notamment une super musique. Parce que je suis comme ça. J'aime bien la super musique. Je vais pas vous la faire écouter tout de suite. Ce serait con de vous la faire écouter. Mais je vais la mettre quand on passera niveau 100. Je veux une Daddy Poops de toi, Farrell. Qu'est-ce que tu veux que je marque ? Dis-moi tout. Ah, c'est à moi de jouer. Ah, mais vous me déconcentrez, là. Oh. Tu te calmes tout de suite. Je ne t'ai pas demandé de lancer ça. Tu te calmes tout de suite.
Alors c'est encore à moi de jouer, je fais de la merde. C'est pas grave, on va essayer de tuer les corbacs qui sont pas beaux. Voilà, et j'ai pas tué l'autre. Donc on n'est pas dans la merde, donc je me barre en courant. Ah merde, j'ai foiré le challenge. Non mais... Non mais, quand même. Non, 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 je mets pas les sardines. C'est pourri comme chanson. C'est pourri de chez pourri. Je mets pas les sardines, c'est mort. J'ai une amie qui met tout le temps ça. Et ça me pète les couilles. C'est un truc de dingue. Non, non, je veux pas. Ouais, bon, j'ai foiré le tchal. Ok, ok, mais... C'est... Merde. C'est School Door qui m'a perturbé. Voilà. C'est pas ma faute. C'est School Door, il fait de la merde. Et il me stresse. Donc du coup, je joue mal. Ça te dérange pas de finir ton tour avec 4 PA? Non, mais tout va bien. Moi, je joue à ma manière, Asteran. Je joue d'une manière assez assez spécifique. Les gens ne comprennent pas, en fait. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne se rendent pas compte que je joue d'une manière très spécifique. Voilà. Je laisse l'opportunité à mes alliés de bien travailler. Enfin, de montrer leur puissance. Et moi, je ne fais que les secourir sur le côté. Tu vois? Enfin, je suis quelqu'un qui préfère laisser les gens le faire. Pharrell, je t'aime tellement que même sans PC, je te suis sur ma Xbox. Putain, c'est possible ça? Eh, tu peux pas m'envoyer une photo de toi avec toi qui utilise ta Xbox pour me regarder? Ce serait énorme. Ce serait énorme. Je suis un peu déçu, on n'a pas encore vu ton tonneau ce soir. Hey Starad, pour toi, on va le faire. Après ce combat. Après ce combat, je le fais pour toi. Pharrell dit que c'est nous qui t'a fait fail le child. C'est vous qui me faites... Non, c'est pas vous. C'est School Door. C'est la faute à School Door. School Door, t'abuses. Hein. T'as, franchement, tu crains. Tu fais foirer le challenge et du coup, je travaille très mal. Non, franchement, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu nous fais faire. C'est vraiment, vraiment pas bien. Non, vraiment, t'abuses. Il me faut un tonneau. Faites-moi penser que je dois poser un tonneau et que je dois faire un truc de fou avec le tonneau pour Asteran. Ok? Vous m'y faites penser pour fêter mon niveau 100. Putain, je suis tellement chaud, j'ai tellement envie de danser là, d'être niveau 100, d'être chaud avec vous là, ça fait tellement plaisir. Tout ça parce que je suis beau, je perturbe tout le monde. Non, c'est justement parce que t'as une putain de verrue qui est en train de pousser là et ça me perturbe énormément. Voilà pourquoi, tout simplement. Biscuit vous a suivi, je suis famous. Non mais Biscuit, elle suit tout le monde. C'est un petit chien. Biscuit suit l'intégralité du monde entier. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait lui? À School Door, je crois qu'il est pas content. Voilà. Regarde-le. Regarde-le cet enfoiré. Regarde-le. Ah non, ça va. J'ai cru qu'il allait me taper. J'ai cru que ça allait être un enfoiré. Mais non, ça va, il est gentil. J'ai cru que ça allait être un petit con, tu vois. Mais non, ça va. C'est un Kikou gentil. C'est un Kikou gentil. Il est gentil, School Door. C'est un Kikou gentil. Elles sont pas mal, les musiques, hein, mine de rien. Pas mal, les musiques. J'aime bien. Oh, celle-là, je l'aime bien. J'adore celle-là. Ça, c'est un remix de Wario. Bref. J'ai hésité à taper. Non, mais t'es une ordure. T'es une ordure. T'es une ordure, School Door. T'es mauvais. Gars, en plus, t'es pas beau. En plus, t'es pas beau.
Car t'as les cheveux blancs, t'es un vieux papy, t'es à peine né, t'es un vieux papy. De toute façon, eux, ils sont pas mieux. Mais regardez-moi ces chapeaux dégueulasses, quoi. Oh, c'est infect. On a un nouvel abonnement, mesdames et messieurs. On remercie Naketeer de nous rejoindre. Ça me fait énormément plaisir. Je vous rappelle que plus on est nombreux, plus on est nombreux. Et c'est ça qui est bon. Ce soir, nous fêtons le niveau 100 de Guéperol. Et ça fait énormément plaisir, naturellement. T'es un petit con, Skuldor. Tu sais ça? T'es un petit con. Attention! Merde! Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque 212 000. Moi, je dis le prochain combat, c'est le bon. Salut! Salut, mon gâteau cookie. Comment vas-tu, mon gâteau cookie? Il va bien, mon gâteau cookie? J'espère qu'il va bien. Salut, mon gros chevelu. Oh, j'aime quand tu me prénommes comme ça. J'adore tellement ça. On fête le niveau 100 ce soir. Oh, ça! Si on fait le challenge, je gagne. Si on fait le challenge, je level up. Il faut faire le challenge. Challenge. Non mais concentrez-vous. Challenge. On n'attend pas les gens, on y va. Go. Vas-y, go. Go. On va fêter le niveau 100 là. Amenez vos potes. Dites, faut être nombreux. Faut spammer dans le chat. On va être niveau 100, on va faire la fête. Moi je vous le dis. Oula, c'est une map de merde par contre. Oula, on n'est pas dans la merde là. Il faut que je pose un tonneau. Faites-moi penser, il faut que je pose un tonneau. Merci, Asteran. Tonneau, Favel, c'est vrai. Faut que je pose un tonneau. Un joli petit tonneau. Si t'avais fait le tchal aussi. Ouais, mais là, on va le faire, le tchal. Je le sens, le tchal, on va le faire. Et ça va déboîter du poney sévère. Focus. Ok. On focus. Les gens, on focus. Focus. Ok. On focus, les gens. Il faut focus. Lorsqu'un adversaire est attaqué, il doit être achevé avant qu'un autre adversaire ne soit attaqué. Donc on focus ce canis-là. On tape lui. Ok, je suis chaud. Non, Skull! T'es un triche. Non, Skull, fais pas ça. Fais pas ça, nous fous pas dans la merde. Mais non, tu sais, tout le monde a envie que je passe niveau 100. Même toi, t'as envie. Putain, mon sort qui veut pas se lancer. En zoom, c'est mal foutu. J'aimerais bien jouer en zoom, mais je peux pas. Merde, je l'ai pas tué. Yes! Je l'ai pas tué. Merde! Ah, j'ai pas lancé mon tonneau! Quel abruti! Faut que je lance mon tonneau. Faudrait que je m'éloigne de cette zone. Je me débourre la gueule, je pose mon tonneau, je l'envoie loin, je picole et je me casse. Ça peut être pas mal, je sais pas si je peux le faire aussi. Je sais pas. Je viens de boire une Red Bull, mais je vois toujours pas les ailes. C'est normal, c'est parce que Red Bull c'est de la merde. Je te conseille Monster Energy, c'est quand même vachement plus intéressant et vachement plus addictif. Donc je te le conseille énormément. Ça peut changer ta vie, hein, tout simplement. Ça peut changer ta vie en long, en large et en travers. Après, tu seras capable de changer le monde. Vraiment, je t'assure de changer le monde. Non, non, le burn, c'est pourri. Le burn, c'est pourri à chier. Le burn, c'est nul. Le burn, c'est pas bon, le burn. C'est vraiment dégueulasse. Non, franchement, le burn, c'est dégueulasse. Clairement, le burn, c'est immonde. Il y a que le monster. J'ai arrêté le monster, trop fort pour les petits. Bah oui. Bien sûr, c'est trop fort, le monster. C'est qui qu'on doit taper? C'est lui, hein. Est-ce que je... Ah ouais, ça monte le focus, c'est pas mal ça. Je savais pas que quand tu cliquais, tu savais c'était quel monstre qu'il fallait focus. C'est pas mal ça. Si burn c'est meilleur... Non mais écoutez pas Johan, Johan ne sait pas ce qu'il dit.
tout simplement. Oh non, mais si on repasse sur une musique de merde, hein, c'est bon. Si je serais là en combat à ce moment-là, j'aurais foiré le challenge au dernier coup. Bah oui, gâteau cookie. Bah oui, forcément. Quel enfoiré. Vraiment, vous êtes des beaux ordures quand même. Hein. Incroyable. Ok. Maintenant, ce que je fais, je me débourre la gueule. Je me stabille. Et je me barre. C'est pas mal là ce que j'ai fait. J'ai bien joué là. Ah là j'ai bien joué. Franchement j'ai bien joué. Franchement j'ai bien joué. Non écoutez pas Yoann, pas intéressant. Je préfère l'eau. Gâteau dit pas tout. Non mais Skuldor, ne fais pas ça. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je t'ai nommé éleveur des Kikou. Donc s'il te plaît, arrête, sinon tu vas devenir rien. Tu seras viré et banni définitivement de la guilde. Franchement, je crois que tu voudrais pas ça. Je crois que tu voudrais pas. C'est pas bon pour toi. Tu vas finir seul dans la rue, affamé. Nous, on te nourrit hein, tous les jours. Donc arrête maintenant. Ah, Skuldor s'énerve. Bon, il tape dans le vent, mais il s'énerve. Fais-le. Non ! Mais non, faites pas ça ! Ah, il m'a donné 13 PA ! Je peux faire des trucs de fou, là. Je suis tellement chaud. C'est qui faut focus ? C'est lui ? Ok, très bien. Que fait Mano, là ? Ok, Mano, il tape. Qu'est-ce que je peux faire là? C'est à moi de jouer. Alors déjà, je vais poser le tonneau. Je vais attirer les deux canis qui sont là. Ensuite, je vais me mettre ici, me bourrer la gueule. Et taper ici. Et c'est tout. Et hop! Et les deux canis sont sur le tonneau. Là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je me débourre la gueule. J'envoie le canis sur le dernier tonneau. Enfin, sur le dernier. Sur le tonneau. Tous les canis sont rassemblés à même endroit. Et du coup, ça sert à rien parce qu'on peut pas utiliser des sortes de zones parce qu'on a le challenge focus. Merde! Je suis vraiment nul à chier, en fait. Bon, c'est pas grave. Les canis sont occupés par mon tonneau qui est beau. Et pendant ce temps là nous allons focus le canis qui n'est pas sur le tonneau. Ah merde, Lenny est mort et en plus les canis n'en ont rien à foutre de mon tonneau. Ils tapent un arbre. Ah merde, ça c'est con. Ah bon, peut-être que la technique n'était pas la meilleure à utiliser ici ce soir. Mais néanmoins j'ai invoqué le tonneau. C'est ce qui était demandé de faire. Donc je tiens à dire que c'est mieux que rien. Voilà. Comme on dit, on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est la preuve aujourd'hui que je veux prouver. Merde. J'ai fait de la merde avec mon tonneau. Putain. Bon, c'est pas grave. Reste concentré. On est bien là. J'ai l'impression que maintenant il a du mal hein. Chaque fois que c'est son tour, il est lent. Ça va Mano? Tu t'endors pas au moins? Tu joues hein? Ah d'accord. Ah oui d'accord, il y avait des limaces partout. Très bien. Je ne savais pas cela. Il y a vraiment des limaces partout. Bon, on va mettre des faiblesses à Scanny. Parce qu'il faut le focus quand même. Ah, il me reste plus que 2 PA. C'est salaud quand même. Donc du coup, je vais me débourrer la gueule. Voilà, comme ça, je récupère des points de vie.
Et ensuite, je vais faire un pan d'attaque. Juste comme ça. Ah, ça invoque des pandas! C'est vraiment trop bien. J'adore ce jeu. Ce jeu est phénoménal. Merci Favel, mais de rien! De rien! Les favelas sont là pour toi, mon cher ami. C'est horrible ce que je viens de dire. Tout va bien aller. On va réussir le challenge focus. On va y arriver. J'ai confiance. On va y arriver. Rebonsoir Biscuit, on n'est pas encore niveau 100, tu n'as rien raté. Mais on va peut-être mourir parce qu'on essaye de faire le challenge justement. Ça c'est un peu con mais c'est la vie. Ah tu vois, le tonneau il sert à quelque chose. C'est un peu chiant ces limaces de merde hein. Re mon cher Johan. Ah merde, Mano est mort. Bon là on est peut-être dans la merde effectivement. Ah c'est bon, la souris a décidé de s'attaquer à des choses inutiles. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Oh, j'ai fait un coup critique. On est plutôt bien quand même, hein. Il reste 3 canis sur la map. Je me prends des dégâts, mais c'est intentionnel. Vas-y, Nécron. Nécron va nous sauver la vie. Voilà. Un Nécron ne fait pas beaucoup de dégâts, hein, mine de rien. C'est bon. C'est bon. Un petit CC des familles sur le Gay Peril, ça fait toujours plaisir. Protège-moi, la coco. Ah ouais, faudrait le protéger. Il a la coco, mais malheureusement, il n'a que 2 PA. Je crois que c'est foutu. Adieu, Skuldor, tu étais nul. Sacré, on est dans la merde quand même, hein, non? On est un peu dans la merde quand même. Ah oui, je suis un peu bloqué en plus. Je suis masse bloqué en fait. Je peux rien faire du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On bute lui? Allez. Je lui mets un maximum de faiblesse. Je peux même pas lui faire de dégâts en fait, c'est nul. Merde, je peux rien faire. Mais chier. Oh, je vais me bourrer la gueule. Version résistance. Voilà. En espérant pouvoir survivre. Je crois qu'on va perdre. Les gens, ça craint. Je crois qu'on va mourir. Ça craint. Ah, il fait quelques dégâts quand même, Nécron. Mais bon, quelques dégâts. Peut-être pas suffisant. Hein. On va peut-être mourir en fait. On va peut-être mourir. Ah non, ça va. Il a décidé de taper le tonneau, qui est plutôt pas mal. Oui, c'est ça, taper les tonneaux. Les tonneaux, c'est bien. Tapez-moi pas. Ah, il s'enfuit, donc je peux m'enfuir. Je peux m'enfuir. Ah non, je peux plus, parce que je suis bourré. Merde. Bon, je peux rien faire, du coup. Ça craint un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais taper, du coup. Je pense que le mieux, c'est que je tape. Vas-y. Je vais essayer de lui mettre un maximum de dégâts. Peut-être qu'il va réussir à le tuer. Heureusement que je t'ai fait penser au tonneau. Effectivement, Astaran, hein. Non, on va pas fêter tous les mois de la RTV non plus. On a fêté les 2 mois pour fêter le déménagement surtout. Et du coup, je redéménage, donc je pense qu'on va fêter tous les déménagements de ma vie. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ah merde, il est pas mort. Putain. Merde. Merde. C'est la merde quand même là, hein. Je vais mourir. Je vais crever. Aidez-moi. Je vais mourir. Ok, il ne reste plus que Nécron. Et là, c'est la merde. Et là, c'est la merde. Oui, je vais emménager avec ma femme. Donc du coup, je redéménage.
Ah oui, ça fait bientôt 3 mois que nous vivons une expérience unique ensemble, et ceci sans préservatif, ce qui est quand même catastrophique. Puisque là, on peut dire qu'on n'est pas dans la merde, du coup. Est-ce que Nécron va s'en sortir? C'est la question que tout le monde se pose, naturellement. C'est, est-ce que Nécron va s'en sortir? Ok. Faudrait que Nécron, je sais pas. Que va faire Nécron? Bah, meurs en silence, please. Mais non! Chut, Nécron se concentre. Que va faire Nécron? Ok, Nécron a décidé de taper le canigro. En espérant que sa flaque ne lui fasse pas... ne lui fasse pas regretter sa décision. Ok, c'est plutôt pas mal, là. C'est plutôt pas mal ce qui vient de se passer. Ah, oh, la souris verte qui a réussi à passer, mais qui a sauvé, du coup... Oh putain, c'est chaud comme combat, hein. Attendez, je vais mettre en tactique quand même pour qu'on puisse voir. Ah, dommage, il soigne le canigrou. Ah, il lui fait des dégâts. Oh, putain, c'est chaud, hein. Oh, c'est chaud, là. Va-t-il mourir? Attention. Ah, dommage. Ah, putain de chance décaflip à la con. Putain de chance décaflip à la con. Ah, ça me gave. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ok. Un petit rempart de la part de Nécron. Ok. C'est chaud, là. Il peut rien faire en plus. Oh, il peut rien faire. C'est la merde. Oh, c'est la merde. C'est la merde, là. C'est la merde. Et là, il peut tuer le cani. Ah, il le tue pas. Il peut lui faire un maximum de dégâts, mais il le tue pas. Bon. Ça craint, là. Ça craint. Mais après, il reste plus que la souris verte. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud, les gens, hein. C'est un combat épique, là. Ok, le canigrou est mort. Il reste la souris verte qui est vraiment dégueulasse. Et il reste les limaces aussi. Enfin, il reste le serpentin tout seul. Oh, 120 dégâts, c'est plutôt pas mal, ça. Ok, c'est plutôt pas mal, ça. Faire attention que le serpentin se prenne pas des dégâts. Mais sinon, c'est plutôt pas mal, là, ce qui se passe. Il lui fait masse dégâts, quand même, hein. Ouf, Nécron, la dernière chance. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, silence. Mesdames et messieurs, ne meurs pas, Nécron, parce que on gagne. Mesdames et messieurs, restez concentrés. Il n'y a plus de musique parce que ce soir, mesdames et messieurs, ce soir, Avec vous. Et juste avec vous. Pour le plus grand bonheur du monde, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ce soir. Chut. La musique que nous aimons tous quand nous gagnons quelque chose. La musique qui nous rend joie. Je vais vous demander de spammer dans le chat, mesdames et messieurs. Car ce soir est un grand soir. Car ce soir, mesdames et messieurs... Ce soir... Niveau
C'est GG. C'est GG. On a gagné. On est niveau 100. Oui. C'est tellement tout ça. C'est tellement épique. C'est tellement... Mesdames et messieurs, le Pandawa, il est là, il est bon, il est fort, il est vainqueur. Nous avons gagné ce soir. Nous sommes niveau 100. Nous sommes trop puissants. Nous sommes génialissimes. Nous sommes beaux. Nous sommes chauds. Nous sommes... Je suis tellement joie. Je fais les confettis de l'amour. Nous avons gagné. Nous sommes niveau 100. Mesdames et messieurs, maintenant que nous avons fêté un niveau assez, assez intéressant et que nous avons participé ensemble à un magnifique... comment dire ? Ça me fait énormément plaisir d'être là et de vous dire que, eh bien, on va poulper ton loot, ça va continuer. Ça va continuer. Ça va être explosif, si vous voulez mon avis. Parce que j'ai pas fini ce jeu. Et je compte bien aller à Free Ghost et tout ça avec vous. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser ensemble. Et d'ailleurs, j'ai un truc à vous faire gagner. Attends, j'ai des trucs à vous faire gagner. Ce soir, pour fêter naturellement le niveau, nous sommes 19 milliards et ça me fait énormément plaisir naturellement. Plus de confettis. Attendez, c'est le bordel un peu. Plus de confettis. Attendez, on va remettre la bonne... Attendez, c'est un peu le bordel. Attendez, on va remettre la scène. Voilà, on est passé niveau 100. Alors, c'est bien, hein. Je suis content. Mais maintenant, faut se calmer, hein. On se calme. Donc, sommes passés niveau 100. Alors,
J'avais acheté des trucs. Attendez, on va remettre un peu de musique. J'avais acheté des trucs. Des 1 et des 0. J'avais acheté des 1 et des 0 pour faire 100. Eh. C'est beau, c'est bien, non? C'est bien, non? Ça fait 001 ou ça fait 100 là? C'est comme ça que je dois le mettre? Comme ça? Oh, ça change rien, on s'en fout. Je suis niveau 100! Et je suis trop content! Donc, on va vous faire gagner des trucs. On va vous faire gagner un poster, mesdames et messieurs, ce soir. Un poster de Slage en édition limitée. Et c'est la première personne qui va tout simplement répondre à cette question. C'est je suis quel niveau? Alors, hein, c'est bidon, non? Tu tapes sur ton clavier rapidement, mais sûrement. Tu tapes. Et tu réponds à la question, voilà. Et le premier qui répond, c'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Mais donc le premier que je vois sans, eh ben, il a gagné. Et c'est Johan qui l'emporte, naturellement. C'est Johan qui gagne. C'est Johan qui répond naturellement, efficacement, très fort. Bravo Johan, bravo. Plus de confettis pour Johan, voilà. Ma chambre est dégueulasse. Je vais dire à ma femme de ranger demain. Voilà. Donc, du coup, Johan. Voilà. Johan, tu as gagné. GG, Johan. Et ensuite, comment... J'ai un deuxième cadeau à vous faire gagner. Voilà, c'est un poster Slage. Ah non, je viens de faire gagner le poster. Bon, c'est Johan qui choisit. Johan, tu veux la carte cadeau? Avec la panoplie du diplodopli. Ou est-ce que tu veux un poster? Et si tu veux le poster, est-ce que tu veux dédicacer par moi ou pas? Voilà, tu choisis. Non mais je fais gagner les deux. Je fais gagner des deux. Voilà. Sans lol. Bah oui. Qu'est-ce qu'il veut Johan? Johan, qu'est-ce que tu veux? J'ai mis des confettis dans mon monster. Il veut le poster dédicacé. Ok. Très bien. Ouais, j'ai effectivement mis des confettis dans mon monster et c'est dégueulasse. Bon, bref. Donc, un truc de gagné. Putain, j'ai l'impression d'avoir avalé du papier maintenant. C'est dégueu. Bref. Donc, un poster de gagner, et j'ai encore ça à vous faire gagner. Donc, il y a trop de confettis là, c'est bordel. Bon, alors, je vais dire à ma femme de ranger après. Donc, dans le chat, je vous mets une question pour gagner la diplodopie. Donc, la question c'est... Merde, j'arrive pas à récupérer un bout de confettis. Il y a des confettis partout. Donc, la question c'est... Voilà. Et c'est Skuldor qui l'emporte naturellement. Félicitations à Skuldor. Skuldor qui a gagné et qui l'emporte. Skuldor qui est trop fort. Bravo Skuldor. Trop dur. Donc par contre Johan, il faut impérativement. Merci à Anthony Gaming Show qui a rejoint la Airglot TV. Je vous rappelle que plus on est nombreux, ça me fait énormément plaisir. On fête le niveau 100 ce soir. Et wouh, c'était trop bien. 100. Merde. Comment dire, par contre, quelqu'un comme ça, c'est rare que les gens disent GG, ça me fait plaisir. Parce que d'habitude, les gens disent oh non, c'est moi qui aurais dû gagner. Bah bon, c'est GG. Par contre, Johan, tu dois m'envoyer un message privé avec tout simplement ton nom, hein, ton nom, et quoi d'autre? Enfin non, pas ton nom, mais le pseudo que tu veux que je mette en dédicace, et ton adresse postale, parce que sinon je peux pas t'envoyer le poster. Et pour quelqu'un comme ça, il faut que tu aussi me tues MP sur Twitch pour... tout simplement que je t'envoie un MP derrière. Tu précises bien, j'ai gagné la diplo d'Opli. Et je t'enverrai le
code. Voilà, tout simplement. Merci à tous les gens qui ont participé. Et ton numéro de carte bleue aussi, ce serait pas mal, effectivement, ce serait une bonne chose. Nous sommes niveau 100. Alors, j'avais gardé des points. J'avais gardé des points, naturellement. Alors, voyons ça. Oh là 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 là. J'ai l'arme. Mesdames et messieurs, j'ai l'arme. Le lien spiritueux. Je vais faire un défi contre Skuldor. Défi. Pour vous montrer un petit peu le panda des 29 euros de frais de port. Non, il n'y a pas 29 euros de frais de port. J'espère pas, parce que sinon je vais me ruiner avec ces posters. On va se mettre en mode combat. Pharrell, t'envoies quand les posters? Bah quand j'y penserai, en fait. J'y pense jamais. Donc du coup, on va envoyer... Déjà, faut se bourrer la gueule pour envoyer le lien spiritueux. On se bourre la gueule et... Et badaille! Lien spiritueux! Regardez! J'ai invoqué un panda! Un botin! Un panda qui invoque un panda! Un panda qui invoque un panda! Et maintenant, la queue le... Tout le monde s'éclate! À la queue des pandas! À la queue le... Tout le monde s'éclate! Avec un panda qui a 8 PM! À la queue le... Pharrell, comment on te MP? Au pire, ajoute Skype, sera plus simple. Non, il faut que tu m'envoies MP. Il suffit de cliquer, je crois. Comment on fait pour un message? Tu cliques sur mon nom. Bla 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 bla. Voilà, j'ai écrit de la merde. Tu cliques sur IRC TV et tu fais message. Tu cliques message. Voilà, normalement c'est bien. Mais non, je vais pas les garder pour moi. Je vais les envoyer. Et il faut me laisser le temps. Oh mais il triche. Il triche avec son lumino. Il triche. C'est de la triche. Je n'ai qu'une chose à dire, c'est de la triche. Voilà. C'est de la triche. Et aussi de la triche. Il triche! Il triche, mesdames et messieurs. Et je m'en fiche. Parce que voilà. Je le tape. Parce qu'il ne mérite pas de vivre, tout simplement. Et je me barre en cours. Oui. Hop. Mon petit panda Wasta qui lui colle au trou du cul là. Magnifique. Magnifique. Bon Pharrell, un petit concours photo pour l'occasion. Non. Comment on te MP sur... Ouais, ça j'ai répondu. Par contre, Tadeo, faudrait que je te donne ton cadeau un jour. Ce serait bien, non hein. Un petit cadeau. Ce serait pas mal quand même, un petit cadeau quand même. Oh putain, j'ai mis un de ces bordels. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais c'est bien. On est passé niveau 100. Regardez. Regardez, niveau 100. On est passé niveau 100. Bon, je fais un combat de merde là. Message envoyé. Super. Nickel. C'est cool. Merde, je l'ai pas tué. Bah! T'es mort! Tu mérites pas de vivre. Montre-nous ça. Ah, vous voulez voir le bordel que j'ai mis? Attendez. J'ai pas envie de ce que tu vas voir. De ce que tu vas faire du 1 après ce stream. Oh, c'est dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Regardez le bordel. Regardez. C'est un cauchemar! C'est une catastrophe! C'est la fin du monde! J'ai mis du bordel tellement partout que c'est la merde. C'est la merde. Oh putain, c'est la putain de merde. Oh les gens, c'est la putain de merde quoi. C'est la putain de merde. Bonjour Dieu Pharrell. Oui, maintenant je suis un dieu parce que maintenant je peux briller d'une aura de puissance. Qu'est-ce que c'est beau! Oh, qu'est-ce que je suis sexe! Minime. Ah, on a eu minime. Ornement niveau 100. Waouh, et 400 000 d'XP. C'est pas mal ça. Attendez, on va se mettre un ornement. C'est vrai qu'on n'en a jamais mis d'ornement. Ornement. Niveau 100. Waouh!
Ça change toute ma vie. Putain, waouh. 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 Au pire, tu me donneras le code après le live. Oui, généralement, je les donne après le live, les codes. Follower le live SVP, ça nous aidera beaucoup. Oui, ça me permettra de gagner masse boule. Je suis un gros crevard. Non, mais là, c'est les vacances, il n'y a pas beaucoup de monde, tout ça, mais voilà. Par contre, je peux vous montrer la future panneau d'Apérol, du coup. Eh, Nécron, il est là, Nécron? Est-ce que Nécron, il est là? Ah non, Nécron, il a déco? Est-ce que Nécron a déco? Ah merde, Nécron a déco. Merde! 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 Félicitations pour... Je dois filer, à bientôt, encore félicitations. Merde, je l'ai raté! Faudra que je lui dise de regarder la définition, parce que bravo, c'est quand même Skuldor qui nous a sauvé la vie. C'est quand même Skuldor qui nous a sauvé la vie. Tadeo qui fait la pub du live sur le live. Ah oui, effectivement, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, effectivement. C'est un peu la merde. Ça, c'est tellement dégueulasse. Putain, il a un goût immonde. Un goût de papier tuyote, hein. Père, dégueulasse. Bah, on fait comme on peut, effectivement. On ne peut pas faire mieux. On est passé niveau 100. Et c'est déjà pas mal. On a mis des confettis partout. Wouh. Wouh. C'est la merde. Il va falloir tout ranger. Ah merde. Ah merde. Ma femme va me tuer. Elle adore faire le ménage en même temps, donc ça va. Ça va. C'est pas très grave non plus. C'est pas très grave non plus. Donc profitons-en. Faisons la fête. Wouh. Je suis niveau 100. Ouais. Ouais. Je suis niveau 100. Wouh. Et je l'ai pas sur moi en fait, Tadeo. Il est à la banque, ton cadeau. Il est à la banque. Donc voilà. Tu n'auras pas ton cadeau maintenant. Mais c'est bien. C'est bien, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça avec un Coliseum? J'ai bien envie. On va faire un Coliseum. Inscription. Parce que je voulais crafter un premier item de ma panoplie. Mais comme Nécron est pas là, bah je peux pas. J'aurais voulu faire la surprise, tu vois, mais non, je peux pas. Donc du coup, on va faire un Coliseum plutôt. Voilà. J'abandonne. Je remercie les gens qui étaient là. Merci à vous. Je vous aime. Voilà. Merci à vous, je vous aime. Un combat a été demandé. Accepté. Ça me saoule, 98%. Ça, c'est con, hein. C'est... Collier en panneau paysan, s'il te plaît. Ah, la bonne vieille époque. Mais j'ai pas la panneau paysan sur moi. Elle est dans ma banque. Donc là, c'est trop tard. C'est trop tard. Oh, des gros niveaux en face contre des petits niveaux chez nous. C'est très bien. C'est ce qu'on aime le plus naturellement. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. C'est très bien. Alors le prochain quoi? Avance panda. Très bien, j'avance. 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 Bonsoir. Ah, Chini qui s'est connecté, c'est Biscuit. Elle change de pseudo, mais c'est toujours la même personne. Donc, c'est à moi de jouer. Donc je propose de me bourrer la gueule. On est plutôt pas mal, hein. Prochain collier en panneau paysan. Ah ouais, j'y penserai. Ça marche, Chester. Mais faut que tu reviennes aussi. Faut que tu reviennes parce que sinon, c'est de la triche. Sinon, ça ne compte pas. Donc, il faut que tu reviennes. Parce que tu viens pas souvent. Et après, tu demandes des choses. Il faut venir tout le temps pour demander des choses, hein. Sinon, ça ne fonctionne pas. Reste proche pour les PA. Pas de soucis, Bogdanov. Pas de soucis. Ah, on envoie le Bork Mage. Très bien. C'est la merde parce qu'il se met pas dans les bonnes conditions. Ah, il est haut. Ah ouais, d'accord. C'est la merde. Oh, pas mal. Des bons dégâts. Bon, Yves Rocher va se rendre invisible naturellement. Parce que c'est Yves Rocher. Voilà, il pose son double. On n'a rien à foutre du double, hein, naturellement. Le double, c'est de la merde.
Voilà, il va nous bloquer, mais c'est normal, c'est normal. On s'en fiche. Regarde. Allez, DPA pour tout le monde. Ça, c'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal. On est vraiment bien, là. Ouais, je dis, on est vraiment bien. Ah, il s'est mis en molotov direct. Très bien. Pourquoi pas. On a 13 PA, là. On est plutôt bien. Qu'est-ce que va faire Black Warriors? Ils sont tous overstuff. Ça m'énerve, ça. Oh, si tu savais à quel point ça m'énerve. Ça m'énerve. Votre Osa MDR Aquadala. Non, mais il joue haut. Quoi, c'est bien de jouer aux AO. Moi, j'aime bien. Je suis désolé. La griffe, elle est forte. Puis ça te permet de drop. Et puis tu joues avec tes créatures. Moi, je trouve ça très fort. Je suis désolé. Je trouve ça très très fort. J'aime beaucoup. T'as pas beaucoup de sorts à monter, du coup. Et du coup, non, ça joue bien. J'aime bien. Ou alors, du coup, on se débourre la gueule. Je suis obligé. Hein. Je suis obligé. Je me débourre la gueule. Je prends ça. Je l'envoie Valding. Je prends ça. Je le porte. Hop. Bora level 80, t'es chaud? Quoi? Ah, merde, enculé. Ah, il tape pas? Ah si, il tape. Il va taper. Bam! Oh, il fait mal en plus. Salaud. Salaud. Ta 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 ta. Mais non, Ozao, c'est pas nul, vous dites n'importe quoi. Tu vois, il joue Invoke. Moi, j'aime bien. C'est vrai, moi, j'aime bien. Ça fort. Panda, pas de Vita. Ah oui, mais attends, Moi, j'ai pas une quéquette immense. Je joue normalement. Voilà. Incroyable. Les gens, ils se plaignent. Ils m'énervent. Osa feu, Osa vita, y'a que ça de bien. Mais non, Osa haut, c'est bien. Je vous le prouverai. Je vais faire un Osa haut. Je vais reroll. Je vais faire Osa O. Vous allez voir comment c'est fort, Osa O. Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde, il va pousser la truc. Qu'il est nul. Il va pousser lui. Il va me pousser moi. Vas-y, pousse! Ah bah non, tu t'es bloqué. Ah bah voilà, et ça rage quitte. Allez, ça rage quitte, c'est nul. C'est nul. C'est une honte. C'est une honte. Oh là 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 là. Mon Dieu. C'est aberrant. C'est aberrant. Il s'est bloqué lui-même et du coup il a rage quitte. Vous y croyez ça, sérieusement? Cet abruti s'est coincé tout seul et ce mec a rage quitte. Non mais quand même, quoi. Quand même, c'est aberrant. C'est aberrant, on est d'accord. Mon Osa 106 sur Mani, il était feu vita. J'ai restat feu parce que j'invoquais, mais mes invoques étaient nuls. Non mais, non. C'est parce que vous savez pas jouer Osa O, voilà. C'est tout. Ça savait pas jouer aux AO. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taper mes alliés.
s'est passé des trucs bizarres là. Mon tonneau, il a fait des trucs bizarres. Le panda, alors lui, il est encore plus con, lui. Alors lui, panda, tackle, any, what the fuck. C'est pas possible d'avoir... C'est pas possible d'être aussi con. C'est fondamentalement, c'est pas possible. Comment le mec est arrivé à la conclusion de panda, tackle, any, what the fuck? Bah oui, je tacle mon allié. C'est logique. Je tacle mon allié. Eh oui. Je suis un troll. J'arrive à tacler mes alliés. Moi, je suis comme ça. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe, je vous dis. Ce Coliseum est une blague. Une blague. Ce Coliseum est une blague. Ce Coliseum est une pure blague de la mort qui tue. Ça, c'est la réalité. Regardez comment c'est inintéressant à jouer, Heliotrope. Pose 4 portails, hop. C'est tout. Ça fait que ça. C'est nul. Oh, c'est tellement nul à chier. Oh, quelle classe de merde! Toutes les classes sont utiles, sauf Heliotrope, parce que Heliotrope, c'est nul. Mais je m'en fous, je suis passé 100, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à carrer, je m'en fiche. C'est quoi le premier sort que je vais monter niveau 6? C'est lui? Je peux le passer niveau 6 direct? Ça pourrait être pas mal de passer mon tonneau niveau 6. Il aurait 1000 points de vie. Ça pourrait être pas mal. Vous en pensez quoi? Est-ce que je monte mon tonneau niveau 6? Est-ce que je monte mon tonneau niveau 6? Je ne sais pas quoi monter. J'ai envie de monter tonneau niveau 6. Ça peut être pas mal, non? Ça fait quoi, ça? Nombre de lancers par tour, 3. Ah, c'est pas mal. Mais ivresse. J'ai envie de monter... Ah ouais, quand même, Asteran, il a une putain d'équipe, quoi. Yop, Eni, Enu, Panda, Zobal. Ok. Zobal useless. Oh. Qu'est-ce qu'il est méchant, Johan. Oh. Quelle méchanceté de ta part. Je m'en fous. Je suis niveau 100, moi. Je suis niveau 100, la 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 la. Je suis niveau 100, je fais les paillettes, je suis niveau 100. Oups. Je suis niveau 100. J'ai niveau 100. Donc je m'en fiche de gagner ou de perdre. Tu es niveau 100. J'allais dire un gros mot. Donc je me suis calmé tout de suite. Oh là 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 là. Vous savez quoi? On va faire la dédicace de... Où est-ce que j'ai mis la carte? J'ai mis où la carte que je devais faire gagner? Enfin, que j'ai fait gagner. Elle est là. Parce qu'il faut pas que j'oublie qu'il y a une carte que j'ai fait gagner. Alors, petite dédicace.
Petite dédicace à Johan. On a perdu, mais on s'en fout. S'en fout. Ils sont nuls et pas intéressants. Ces gens sont nuls et pas intéressants du tout. Donc, regardons nos messages. Parce que c'est comme ça qu'on gagne. On est passé. Voilà, alors. Message. Ah, parce qu'il faut quand même faire les dédicaces. Ce serait bien. Merde. Profil. Je vais aller dans mon profil. Je peux pas. Je suis pas connecté en fait, c'est ça. Disque, je suis pas connecté. Gestionnaire de vidéo. Message. Regardons les messages de la Irgle TV. Autre. Johan. Bonsoir à toi, maître. Ah, ça déjà, c'est un message qui commence bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bataille? Je peux avoir une dédicace sur mon code? Non, mais je vais pas t'envoyer ton code. Je vais juste t'envoyer le code. Enfin, je vais pas t'envoyer la carte, faut pas déconner non plus. Tu veux pas non plus que je te donne un billet, je te mette un billet de 50 dans ton enveloppe pendant que tu y es. Et attention vous deux, parce que si vous commencez à vous énerver, je mets des baffes et je kick les deux. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez discuter avec nous sur le chat, pas avec les deux abrutis qui sont en train de se fighter l'un contre l'autre, mais vous pouvez discuter avec moi et me poser plein de questions. Ah bah, il m'a rien dit. Putain. Johan, t'es nul. Ton pseudo à mettre sur la dédicace plus ton adresse plus ton adresse postale. Il m'a même pas, il m'a rien envoyé, donc du coup on peut pas faire la dédicace. Johan est nul. Bon, ok, les deux nunuches là qui sont en train de se battre. Je revois pas de message Farel sur Twitch. Mais si, j'ai répondu. J'ai répondu à ton message. Normalement. Voilà. J'ai répondu là. Non mais Asteran, t'es nul aussi, voilà. Vous êtes tous les deux nuls. Moi, je suis fort, je suis level 100. Ma couleur préférée, c'est le noir. Ma couleur préférée, c'était le jaune, et puis c'est passé au violet, je sais pas pourquoi. Un jour, j'avais des baskets avec des lacets violets, ma vie est passionnante, mais voilà. Oh merde, j'ai oublié de mettre ma panneau paysan. Oh merde, c'est trop con. Oh, il y a un mec qui joue en incarnation. Oh non, dommage. Le mec, je croyais qu'il jouait en incarnation, ça aurait été cool. Bon bah tant pis. Voilà. Oh, il y a un Sadida, regardez. Il y a un Ekaflip aussi. Pas mal. Pas mal, pas mal.
Bon anniv, Kill. Oh, Killman, bon anniversaire. T'es content d'être... d'être anniversairé? Je suis désolé les deux loulous. Mais là c'est plus possible. C'est plus possible. Je suis obligé. Il faut que vous restiez calme. Oh, s'en fout qui est le meilleur, c'est moi le plus fort. Vous êtes nuls, c'est moi qui suis fort. On est plutôt chaud là. Enfin, moi je suis plutôt chaud. Voilà, Tadeo, moi il a compris. Mais Tadeo c'est un crevard, il dit juste ça parce qu'il peut avoir des cadeaux. T'es vraiment un beau salaud quand même. Ah ouais, d'accord, le mec a que 450 points de vie. Ah oui, dur quand même. Dur, il l'a un peu mauvaise lui. Mais lui au moins c'est un vrai joueur, tu vois, il triche pas. Travail de professionnel, ça, moi, je vous le dis. Au revoir. Le mec, il s'en est allé. Quoi? Ça tape à travers les murs? Regarde-moi cette merde, quoi. Regarde. T'es un menteur, Tadeo. T'es un putain de menteur. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est que Tadeo, c'est un crevard, mais il veut pas l'avouer. C'est ça, la vérité. Il veut pas l'avouer. Mais non, mais je te... Me fous de ta gueule, Tadeo! Tu l'auras ton cadeau! Parce que je te l'ai promis, parce que c'est un cadeau de guilde. Il n'y a que toi qui peux l'avoir parce que t'es un guildeux. Voilà la vérité. Ouais, mais toi Skuldo, t'as pas eu le cadeau. T'as pas eu THE cadeau. Et les autres, ils l'ont eu, eux. Oui, t'as raté mon level, c'est où? Bah oui, mais tu pourras le voir en rediffusion. Si tu veux, il sera dispo en rediffusion naturellement. Il faut que je ramasse tout le bordel que j'ai fait. Oh, t'es vexé. T'es vexé après un troll. Tu peux pas être vexé. Oh, il s'est mis juste bien comme il faut pour que je puisse le taper. Il est pas très intelligent. Mais bon, on ne va rien dire. On va rien dire naturellement. Qu'est-ce qu'il... Oh non, il a pas fait chance des cas. Il a fait chance des cas. Putain, je peux pas taper, quoi. T'y crois, toi?
Pendant le cul, ça me coûte 2 PA, je peux rien faire. Ah, ça m'énerve! Mais je peux envoyer un panda wasta! Wouhou! C'est un cadeau, mon cher Seou, que seuls les guildes pouvaient obtenir. C'était pour fêter les 2 mois de la RTV. J'ai offert des kamas et des items qu'on m'avait donnés, tout simplement, aux guildes qui étaient présents. Voilà, voilà. Et sinon, j'ai fait gagner un poster et une carte cadeau ce soir. Donc, je suis désolé que t'as pas été là pour, mais... Eh, on peut pas tout avoir dans la vie. Oh, c'est l'heure du poulpopole. On va gagner le Coliseum sur un poulpopole. C'est bien, ça. Ah! Ah! C'est pas cool ça! C'est pas. Mais taire, sale! Mais abruti! Abruti des nutrophes! Il m'a bloqué! Putain! Mais pourquoi? Qu'il est con, putain. Mais qu'il est con, c'est pas possible. Putain. C'est stupide ce que t'as fait. Je peux même pas le taper. Je suis obligé de me debuff. Non, c'est pas l'heure, faut que le live se termine. Bah oui, mais d'ailleurs on va mettre le poulpopole. Poulpopole de YouTube, mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à ce On va poulper ton loot, ça m'a fait énormément plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner aux différents réseaux sociaux et aussi à la chaîne YouTube pour voir toutes les rediffusions. Donc vous pourrez voir le fameux level 100 en rediffusion. Ça vous a pété les oreilles, c'est tout à fait normal. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch, ça m'a fait énormément plaisir de participer avec vous à tout ça. Je vous dis... Je vous dis quoi? Ah putain, c'est pas débuffable en plus. Lol. Lol. Je me suis auto-troll. Je viens de moto-troll. C'est affreux. Je viens de moto-troll, quoi. C'est aberrant. Il me demande combien j'ai de chance. Je vais lui dire 543. Poulpopole. Ah. Est-ce qu'on va gagner ce combat? C'est bien. C'est bien, t'as tapé. C'est bien. C'est bien, t'as tapé. T'es fier de toi? Parce que moi j'ai pu rien faire, j'ai perdu tous mes buffs en plus. Oh. Salut Bedizou, Bedizou. T'arrives à la fin du live malheureusement. Je suis désolé. On est passé niveau 100. On fait ça lors dans un coliseum en mode tactique dégueulasse. Parce qu'on voit vraiment rien quand on est. C'est les maps où on voit rien. C'est impossible de voir le jeu. Et c'est bien dommage. C'est la merde, hein. C'est un peu la merde. Ah bah oui, il fuit. Il fuit. Ah bah t'as fui dans la mauvaise direction, mec. Parce que du coup t'es mort. C'est cool. Quoi? Non!
mexicanos tus enseñanzas con tus pintas escribe tus andanzas y mueve tu panza. A Paul le gusta la polka, a Paul le gusta Polanca y platicar en la playa. Ma vie est nulle. Ma vie est nulle. C'est possible d'avoir aussi peu de chance, sérieusement. Le combat va durer 10 ans. 10 ans. Pourquoi moi? J'ai envie d'aller tuer lui. Soit lui, soit l'autre. Putain, il le soigne! Arrêtez! Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On va remettre la musique. On va remettre la musique parce que c'est pas fini. Putain, il me fait tellement de dégâts. J'en peux plus de ce perso. Je vais perdre, hein. Je vais clairement perdre. J'y crois pas, quoi. On est plutôt bien là. On va essayer de se soigner. C'est ridicule. C'est ridicule, Tadeo. On n'insulte pas mes viewers. Qu'est-ce que je fais là? C'est la guerre des invocations. C'est la guerre des invocations. C'est trop la merde. Il y a trop d'invoques sur le terrain, c'est une catastrophe. Okay. Il tape tout le monde, très bien. Mais on est plutôt bien pour le moment.
Ah putain, la folle qui m'a TP. C'est la merde! Et il peut plus s'échapper là, il est bloqué. Putain, je vais perdre, hein. Je suis dans la merde là. Je vais perdre, j'en suis sûr. Mesdames et messieurs, c'est la fin, je suis mort, je vais mourir, je vais perdre, c'est sûr et certain. Putain, les monstres qui se placent et tout, j'ai perdu. Il a trop bien joué, GG. Bon bah voilà, c'est terminé. Putain, quelle merde, je vous jure, quelle merde. Quelle merde, je vous jure. C'est trop la merde. C'est trop la merde. J'en peux plus de ce combat. J'ai envie de le gagner. On est sur Hagrid. C'est la fin du live, mais non, c'est pas la fin. Parce que c'est trop la merde. Putain, c'est la merde. Putain, quelle ordure. Il joue trop bien cet enfoiré. Putain, j'en peux plus les gens. Oh. Ouais, c'est un tout petit serveur. On peut dire que t'es nul. Ah ouais, je suis vraiment nul là. Je suis vraiment vraiment nul là. Bon. Ok, s'auto-turn est bon. Oh mon dieu. Mon dieu, on est bien là. Vas-y, on va gagner. On va fêter ça. Dignement.
Je peux enfin te toucher, espèce d'enfoiré! Oh mon dieu. C'était trop chaud. Mesdames et messieurs, des bisous! À lundi! Pour un live! Encore un live! Toujours un live! Plus beau les lives, tu meurs! Les lives de la RUETV! Mesdames et messieurs! À bientôt! Je vous fais des bisous! Je vous dis ciao ciao! Le level 100 c'est maintenant! Le changement c'est maintenant! Tout ça c'est maintenant! Et encore plus c'est infinité! Tout ça! À bientôt!